Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour notre film d'aujourd'hui interprété en français. Un film à suivre en famille, entre fiancés, entre époux, entre le parent et les enfants. Un film chrétien éducatif. Éphésiens chapitre 5. Et le verset 22, la Bible nous dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et le verset 25 nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous voyons une dame en train de crier. Partagez cette vidéo. Pourquoi crie-t-elle? Nous voyons que c'est l'hôpital, puisque nous voyons les infirmières en tenue blanche. De quoi il s'agit, maman? Un film très intéressant, très édifiant à partager avec votre entourage. Sûrement, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous voyons une dame apparemment malade. Est-ce qu'elle est réellement malade ou c'est quelque chose d'autre? Oh, elle sera mienne. Akoka malamu. Ya solo? Oui, akoka malamu. Malamu, akoka malamu. Mais qu'est-ce qu'elle a exactement? Bien-aimé, Ndekoyewana Zwaki, téléphone, elle a pris son téléphone pour appeler. Qui est-ce qu'elle va appeler? Hello, who is this? Oui, c'est qui? C'est Uju au téléphone. Uju. Uju. Bonio Lelo, comment tu vas aujourd'hui? Non, tout ne va pas bien. Choma est malade à l'hôpital. Oh, elle est malade. Là, nous voyons un homme de Dieu, un pasteur. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à mes serviteurs, le prophète, vous réussirez. Donnez-moi juste. L'homme de Dieu a prié. Il a étendu sa main. Bien-aimé, quand vous êtes malade, faites la recherche, appelez les hommes de Dieu, ils prieront pour vous et vous serez guéris. Et la prière, faite avec la foi, guérit les malades. Bien-aimé, entre-temps, suivez une minute notre chanson Nzambe Balukakaye. Dieu, on les cherche, le temps que vous puissiez partager et que moi aussi je puisse partager. Je suis à vous, une minute seulement. Allez-y, partagez, taguez vos amis. Let's go. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe Balukakaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique.
Cette chanson apporte la gloire des dieux dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lole fongwama. Pongo lwe fuluka. Zambe baluka kaye mama. Alleluia, alleluia. Zambe baluka kaye papa. Alleluia, alleluia. Oyo baluka ba mona ye. Alleluia, alleluia. Ata malili ya elanga. Alleluia, alleluia. Ata malili ya hiver. Alléluia, alléluia. Oyo baluka ba mona ye. Alléluia, alléluia. Atampia ke koti na vi. Alléluia, alléluia. Atamaladie koti na do. Alléluia, alléluia. Atamakambwezo simba vi. Alléluia, alléluia. Atakonzamba tomboli yo. Alléluia, alléluia. Atakonzamba pamboli yo. Zambe baluka kaye papa. Alléluia, alléluia. Zambe baluka kaye mama. Alléluia, alléluia. Oyo baluka ba mona ye. Alléluia, alléluia. Zoka makambo esuisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango na zangi bana na zangi mosala nzamba zo benganga na ngomba. Nyoso zambe ya ana ye mopesi ya bana zambe ya Esther na Bible apesa libala atombola Joseph en Egypte atuna kinani ye loboko na ye kutu ezanga ndelo Dieu sans frontière ayebi kokoma esika medecin akomate na ye koluka yo zambe yo mokuti malamu we ana beleli yo na lo sambwa lelo. Bien-aimé dans les seigneurs, pour continuer à suivre ces films, allez-y sur YouTube, Splendeur Paris TV, faites Pasteur Soleil Commissaire. Là, nous voyons, on avait appelé les pasteurs. Le pasteur toujours disponible. Un homme de Dieu doit être à l'écoute de son peuple, de ses brebis. Elle est là, papa. L'homme de Dieu a prié. Et la prière de la foi est capable de guérir le malade. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans cet hôpital? Pourquoi la femme est-elle à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Là, c'est son ami Oudjou. Là, c'est le pasteur. Oh, désolé. Ça ira. L'homme de Dieu est toujours là à l'écoute. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Je souffre. Je souffre. Oui, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Mais bien aimé, laisse l'homme de Dieu en train de lui dire, ne te fais pas du mal toi-même. Mais pourquoi souffre-t-elle? Maman, pourquoi? Dites-moi, est-ce que ma voix et le film, mon son est au-dessus? Ça va? Écrivez-moi si c'est bon. C'est qui le monsieur en rouge? La dame la regarde avec des yeux pleins de colère. Qui es-tu, le monsieur? Je suis désolé. Qu'est-ce qui va se passer? Une demande en mariage? Il veut embrasser? Oh, ma collègue! Bien-aimé, on l'a mordu! Un combat dans l'hôpital entre la dame et le monsieur. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Docteur, mais qu'est-ce qui se passe? La dame, encore endormie. Oui, pourquoi cette humiliation? Après toutes ces années, Choma m'appelle une bête, imbécile. Je suis comparable à une bête. Elle m'appelle bête.
Whatever she told you in there is all lies. Tout ce qu'elle t'a dit, c'est du mensonge. And whatever she will tell you after now is all lies. Bien-aimé, mais qu'est-ce que la dame a dit au pasteur? C'est quoi ce mensonge que la femme a dit? Christ taught you to love your wife the way he loves the church. Christ t'a dit d'aimer ta femme comme lui aime l'église. Mais j'aime bien ma femme. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je l'aime. Mais elle m'appelle bête. Elle me dit que je me comporte comme un animal. Bien-aimé, nous allons tous découvrir dans ce film. Taguez vos amis, invitez les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons les enfants sortir de la maison. Papa, yé, yambi, comment vous allez? Ah, vous allez bien? Oui, ça va. Maman? Maman va revenir. Où est maman? Les enfants posent la question. Maman, où est-elle? Maman va revenir. Maman est à l'hôpital. Elle va revenir. Oui, tes enfants ont besoin de toi. Tu dois rentrer à la maison. Non, jamais. Non, ce n'est pas une maison. Ce n'est pas un homme. Je ne peux pas rentrer. Mais pourquoi, bien-aimé, elle est en train de refuser? Nous avons compris que le monsieur là, c'est son mari. Et cette dame, Choma, l'appelle qu'il est un animal. Il se comporte comme un animal. Maman, papa, pourquoi? Quelles sont les raisons pour que cette femme ne rentre pas à la maison? Nous allons les découvrir, bien-aimé. Nous allons les découvrir. Les pasteurs même demandent de rentrer à la maison. Mais elle refuse. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse dans cette maison. Dans ce couple, je ne suis pas heureuse. C'est le cas de plusieurs femmes. C'est une longue histoire, pasteur, à vous raconter. Mais écoutons cette histoire pour découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le pasteur est allé prendre la chaise pour écouter. Un homme de Dieu doit toujours être à l'écoute de ce brebis. Un pasteur n'est pas une star, n'est pas un super homme. Il doit être là pour écouter les brebis. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais reçu la chance de rencontrer une vieille dame. Bien-aimée, 23 ans en arrière. On voit la jeune dame, la vieille dame en question. Et ça, c'est Choma. Ah, ma fille. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée dans le passé. 23 ans en arrière. Découvrons ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Ah, merci, ma fille. Ah, derrière, maman. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Prends juste ma natte et étale ma natte. Un enfant toujours serviable, obéissante aux parents. Ces enfants qui sont soumis vivent longtemps. C'est une vieille dame qu'elle ne connaît pas, mais elle l'aide. Elle l'a fait asseoir. Thank you so much, my dear. Merci beaucoup. Plusieurs en rendaient des services. Je dois rentrer maintenant, ma mère m'attend. Non, assis-toi juste une minute, j'ai des choses à te dire. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ma maman m'attend, mais assis-toi, écoute un peu ce que je vais te dire. Before your mother has any need to come get our cousin herself, trust me. What is your name? C'est quoi ton nom? My name is Noma. Mon nom c'est Noma. Je vois. So, are you a nurse, doctor, or a prophetess? Tu es infirmière, docteur ou prophétesse? I am an old woman. Je suis une vieille dame who has dedicated the rest qui a donné tous les restes de sa vie au Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Et il me montre beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Dieu te montre à mon sujet? Le prénom que tu m'as donné, ce n'est pas ton vrai prénom. J'entends des échos dans mes oreilles. Ton vrai nom, c'est Choma. Wow!
Mais comment tu connais tout ça? Everything lays bare before me. Because the spirit of the living God. Oui, l'esprit du Dieu vivant habite en moi. Il me révèle des choses. So what other things does he show you about me? Mais qu'est-ce que Dieu t'a montré à mon sujet? I see a wealthy life ahead of you. Tu auras une longue vie, une bonne vie. I see you getting married. Je vois. To a man. Tu t'es marié à un homme. Fortune will land. Your husband is going to be a rich man. Ton mari sera un homme riche avec beaucoup d'argent. Tu auras beaucoup d'enfants dans ton avenir. But, mais il y aura une partie sombre. You will spend the rest of your life in sorrowful pursuit of happiness. Tu vas passer le plus grand temps de ta vie dans une espèce de souffrance, de calamité. Mais pourquoi tu ris ainsi? Bien-aimé, nous voyons ici, la dame dit, j'ai confié au Seigneur les restants de ma vie dans la prière. Et il me montre beaucoup de choses. Mais pour toi, tu épouseras un homme riche. Mais il y aura une partie où tu vas beaucoup souffrir. Bien-aimé, ne jamais négliger la prophétie. Ne jamais négliger une parole de connaissance. Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Oui, qui sont vos amis? Entourez-vous des personnes sages qui vous révéleront votre avenir. Regardez, c'est une jeune fille, un jeune enfant, mais attaché à une dame vieille qui lui révèle les secrets de sa vie. Écoutez, bien-aimés, à qui vous vous attachez? À qui vous vous confiez? Mais on vient de lui révéler les secrets de sa vie. Ce qu'il fasse passer dans sa vie, elle sourit. Mais ça va s'accomplir ou pas. Mais la prophétesse, la servante de l'Éternel, a prophétisé. Maman, plusieurs années après, il ne faut jamais négliger les prophéties. C'est ce qu'elle a raconté à l'homme de Dieu. Et là maintenant, à l'âge adulte, elle s'est mariée. Choma s'est mariée à cet homme. Est-ce que la prophétie est-elle accomplie? Oui ou non? Découvrons ensemble, likons, mettons de cœur de j'aime et partageons. Je crois que vous comprenez l'histoire comme je suis en train de l'expliquer. Oh, hi baby. Oh, je crois que tu t'es bien réveillé. Bien aimé, comment vous vous réveillez avec votre partenaire? En vous chamaillant ou avec des mots d'amour? Quel est ton programme d'aujourd'hui? Il lui demande son programme de la journée. Je vais aller au salon arranger mes cheveux. Au salon? Je vais aller arranger mes cheveux. Elle est là, elle descend pour aller au salon arranger ses cheveux. Choma, attends. Lui dit son mari. Essaye de t'asseoir. Qu'est-ce qu'il va lui dire, bien-aimé? 70% of the workers in the salon are men. Oui, la majeure partie des gens qui travaillent dans des salons, ce sont des garçons, des hommes. Mais ça fait quoi? Just sit down. Juste. Let's enjoy our honeymoon. Don't forget about this. Oublie d'abord ça. Essaye de t'asseoir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? La femme ne veut pas. Ferme ta bouche. Si vous comprenez, le mari est en train d'interdire la femme de ne pas aller au salon parce que ceux qui travaillent dans des salons sont souvent des hommes. Donc l'homme est jaloux. L'homme ne veut pas que sa femme soit touchée, que ses cheveux soient traités par des hommes. Donc, il interdit sa femme de ne pas aller au salon. Est-ce que, as-tu raison? Oui ou non? La femme s'est fâchée finalement. Pourquoi ce silence? Tout ce que j'ai fait, c'est pour te protéger des prédateurs. Est-ce que c'est mauvais si un homme est jaloux ou protecteur de sa femme? Je te protège. C'est juste, je te protège. Bien-aimé, écrivez-nous, partagez. Est-ce que
ce que l'homme est en train de faire, c'est bien ou c'est pas bien. Donc, il a refusé et la femme est restée. Là, le papa s'endort, même en train de ronfler. Bien-aimé, écrivez-nous. La maman n'est plus allée. Est-ce que les papas doivent se comporter comme ça? Ou bien c'est la maman qui a tort, qui doit rester? Papa dort seul, la maman n'est pas là. Est-ce qu'elle est partie au salon en cachette ou pas? Il y a plusieurs femmes qui vivent ce genre de jalousie. Soit c'est la femme qui est jalouse, mal placée, ou soit c'est l'homme. Est-ce que la jalousie arrange-t-elle un couple ou bien la jalousie détruit un couple? Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? Oh, tu es là, chérie? Choma? Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Vous alliez partir au salon ou rester? Est-ce que ça, c'est la soumission ou bien ce n'est pas la soumission? Ce que l'homme fait, est-ce que c'est ça l'amour ou ce n'est pas ça l'amour? Or, Éphésiens chapitre 5 et le verset 22, la Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et le verset 25, la Bible dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Choma, la femme est introuvable. Choma, la femme est introuvable. Où est-elle partie? Choma, si c'était vous, qu'allez-vous faire? Choma. Qu'est-ce qu'il faut faire quand un homme... On voit Choma de loin avec un monsieur. C'est qui ce monsieur? Il s'avance tout doucement, comme un voleur, comme un serpent prêt à attaquer. Mais la femme en train de parler avec un monsieur, sûrement un travailleur de chez elle à la maison. Ah, tu me fais rire là. Oh, hey honey. Oh, chérie. Il répond pas. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici? I just had to get clothes off the table because I wanted to iron your clothes myself. On essaye là de travailler, d'arranger la table. Hein? You left my bed. Tu as quitté mon lit. To come hang around some corners. Tu sais ici, tu viens ici dans un coin. Vous êtes là, vous êtes? Monsieur, quoi? What did you just say? Tu as dit quoi? Are you suspecting me of something? Tu me suspectes? Tu me soupçonnes de quelque chose? Écoute-moi. I pay this young man very well to do my laundry. Bien-aimé, il est là. Oui, sois loin de ces garçons ou de n'importe quel autre garçon. Est-ce que tu as écouté ça? Et toi, idiot, sois loin de ma femme. Est-ce que ce que nous voyons, ça se passe dans des couples, vrai ou faux? Papa, la jalousie mal placée. Est-ce que c'est vraiment la jalousie mal placée? Les hommes, dites-nous, est-ce que ce monsieur quelque part n'a pas raison? Peut-être qu'il a raison. Comme Goldberg. Il regarde. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer dans ce film? Est-ce que ce mariage va-t-il vivre? Elle s'est réveillée la nuit. So many questions. Avec beaucoup de questions dans son cœur, la the femme. Same questions I would later ask with increased regularity. Elle s'est toujours posé des questions sessions. Et plusieurs love? Se posent. Is this what love is? Est-ce que c'est ça vraiment l'amour? Is love synonymous with overprotection? Est-ce que l'amour c'est synonyme de ses protections au-delà and downright jealousy? Ou avec ses jalousies débordantes? J'ai pas de réponse. I had to talk to someone. Je vais parler à quelqu'un. I had to find a way to control this insanity before it got worse. Oui, je veux quelqu'un qui peut m'aider, à qui parler avant que ces insanités débordent, deviennent trop. Mais est-ce que trouvera-t-elle quelqu'un à qui parler? Elle se pose des questions. Est-ce que c'est ça l'amour? C'est ça vraiment le mariage? Ce qu'elle est en train de vivre? Maman, répondez à cette femme. Pourquoi tu es calme comme ça? Non, ce n'est pas mauvais pour un homme de protéger sa femme. Protection.
You call this protection. Tu appelles ça protection? You have literally turned me into a prisoner in my own home. And you call it protection. Je suis prisonnière dans ma propre maison. Et tu appelles ça protection. And you call it protection. I have not seen my best friend since we got married. Je n'ai jamais vu ma meilleure amie depuis qu'elle s'est mariée. Et tu appelles ça protection? Non, c'est pas ça. Non. This is not protection. Ça, ce n'est pas la protection. This is imprisonment. Ça, c'est l'emprisonnement. This is not the life I want to live as a married woman. Ça, c'est pas la vie que j'ai rêvé de vivre dans un mariage. Please give me some breathing space. Excuse-moi. Bien-aimé, a-t-elle raison ou pas? What do you want? Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? I want to see my best friend. Je veux voir ma meilleure amie. Please. S'il te plaît. Okay. I'll let you see her. Je vais te voir, je vais te laisser voir ta meilleure amie. Thank you. Oh, merci. Merci, merci. Enthousiasmée à l'idée qu'elle va voir sa meilleure amie. Qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme prend le téléphone pour appeler sûrement la meilleure amie. La femme s'attend. La meilleure amie. Va, on va laisser la femme aller voir la meilleure amie ou non? Hello, Oju. Oju. Kiki, man. Thank you very much. How are you? Alors, comment tu vas, Oju? Oju, c'est qui? C'est la meilleure amie de sa femme qui s'est mariée. Mais sa meilleure ici, sa meilleure amie, n'est jamais allée la rendre visite à cause de la jalousie de l'homme qui a peur que sa femme rencontre d'autres hommes ou les hommes la draguent. Voilà pourquoi l'homme est très protecteur et refuse absolument que la femme puisse sortir. Est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien? Just come back, please. Oui, viens. All right. Thank you, Dalo. Ah. Thanks. Donc, la meilleure amie de sa femme a accepté de venir. First thing tomorrow morning. Demain matin, elle sera là, ta meilleure amie. Mais ce n'est pas ce que la femme voulait. La femme voulait qu'elle sorte. Sit your ass down here. Assis-toi là. There are wolves out there. Eh, bien-aimé. And I'm trying to protect you. Je te protège. Can't you understand? Tu comprends? On la protège de prédateurs, comme lui-même les appelle. Les hommes, il les appelle de prédateurs. Bien-aimés, quand vous vivez ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire, maman? Est-ce qu'il y a des mariés qui nous suivent? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette femme? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces messieurs? Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est de rester soumise. Son ami est venu. Je ne peux rien dire, je ne peux rien toucher. Je peux aller nulle part. Oju. Aide-moi, parle à mon mari. Je vais devenir folle. Mais pourquoi son ami est en train de rire? Qu'est-ce qui est funny? Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est amusant? Pourquoi tu ris? Mais je suis troublée. When has a man's love and protection become so much trouble? Quand un homme aime beaucoup sa femme, il devient protecteur. Oh, will you stop this rubbish already? Arrête ces bêtises. What sort of rubbish is this? Pourquoi tu développes ça? Do you have any idea how many women out there desire for their husbands to love and protect them like if I? Tu n'as aucune idée combien de femmes ici aiment que leurs hommes les aiment et les protègent. Ouais, attends une minute. Ifani, je sais qu'il t'aime beaucoup. I have watched as he has jealously been all over. Depuis le temps qu'il t'avait rencontré, tu pouvais voir qu'il était jaloux, amoureux. Jaloux, amoureux. Pourquoi tu ne réalises pas la bénédiction que Dieu t'a offerte? Un homme qui te considère comme une reine, comme une princesse, qui te protège. Nobody understands. Non, personne ne me comprend jusque-là. Bien-aimé. On n'arrive toujours pas à la comprendre. Ce n'est pas ton petit ami, c'est ton mari. C'est pour cela qu'il te protège.
Ce que toi tu as à faire, elle est en train de conseiller, d'écouter, de respecter ce que son mari veut, ce que son mari demande. Est-ce que c'est ça la soumission? Dites-moi, maman, à vous qui me suivez, est-ce que c'est ça la soumission? Mais ce que j'aime avec cette femme, malgré cette maltraitance, elle est toujours là. Elle est toujours soumise. Maman, supportez patiemment l'épreuve. Supportez patiemment la tentation avec les regards tournés vers le Seigneur. Malgré ces épreuves, mais cela ne l'a pas empêché de préparer pour son mari. Ne jamais vous lasser de faire du bien. Faites toujours vos tâches ménagères. Servez les papas d'une manière ou d'une autre. Oh, bienvenue chérie. Mon héros. Mon héros. Est-ce que as-tu un nom que tu as donné à ton amouré? Bien-aimé, elle appelle son mari, malgré tout. Elle appelle mon héros. Est-ce que tu as un petit nom que tu as donné à ton chéri, à ta chérie? Ou tu l'appelles Gaston, Pierrot, Abraham, Isaac, comme tout le monde? Ça sent bon ici. Voilà, malgré la jalousie, mais la femme souffre quand même, mais arrive toujours à faire ses tâches. Est-ce que va-t-elle tenir pendant longtemps? Papa, arrêtez de maltraiter vos femmes d'une manière ou d'une autre. La maltraitance a plusieurs formes et il y a plusieurs sortes de maltraitance. Une femme maltraitée finira par craquer et développer en elle une seconde nature qui sera un moment désagréable pour toi et elle aussi. Ça peut conduire à des dépressions. Toujours prier, l'homme qui prie. Malgré qu'il est méchant, mais il prie. Maman priait toujours. Papa priait toujours avant de manger. On ne sait jamais. La prière protège. Likez, partagez. Bon appétit, papa. Maman, bon appétit. Azofi banamisap. Waouh! This is some sumptuous meal we both made here. Oh, quelle! Elle est en train d'encourager, de féliciter sa femme. I was part of the cooking. Maman, papa, est-ce que vous félicitez toujours les mamans? Quand elles préparent bien, qu'elles font des choses mal, vous insultez, vous critiquez. Mais quand elles préparent bien, papa, est-ce que vous félicitez encore? Maman, papa, apprenez toujours à féliciter. Maman, malgré le vide intérieur, mettez-vous toujours à servir votre mari. Même si vous soignez, servez toujours. Chérie, mon amour, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Toyoka, Loba, écoute, on va écouter. J'ai trouvé un travail. La femme a trouvé un travail. Mais pourquoi l'homme regarde comme ça? L'homme est apparemment fâché. Il veut même arrêter de manger. L'homme s'est même lavé les mains. C'est-à-dire qu'il n'est pas content de cette bonne nouvelle. Apparemment, le papa n'est pas content. Va-t-il accepter? Oui ou non? C'est un refi. S'il te plaît. Je t'en supplie. Please, let me work. Laisse-moi travailler. Let me go out in the morning and come back in the evening. Laisse-moi sortir le matin de la maison et revenir le soir. Laisse-moi contribuer aussi aux tâches ménagères, contribuer à la maison financièrement. Le monsieur est parti. Bien-aimé, qu'est-ce qu'une femme doit faire quand elle rencontre ces choses? Mais où sont les parrains? Les parrains sont d'une importance capitale dans ces cas. Même les pasteurs peuvent aider. Avec ce genre de choses, ne traitez pas seul. Cherchez l'homme de Dieu ou cherchez vos parrains. Mais la femme a essayé de chercher, mais l'homme n'accepte toujours pas. Donc, refi pour le travail, la femme doit toujours rester à la maison. Mais ce sont des mentalités, des manières archaïques.
comme on disait Muka Junyama, la femme est une bête. Welcome. Bienvenue, chérie. Et toi, les portiers, ferme vite la porte. La porte, le portail. Voilà. C'est quoi ça? C'est quel habillement? C'est quel habillement? Mais on est dans... Ils sont dans l'air parcelle, non? Bien-aimé, toujours avec violence. Pourquoi tu peux sortir comme ça avec tel accoutrement? Mais la femme dit, mais nous sommes dans notre parcelle. Maman, papa, non à la violence faite aux femmes. Non à la violence, papa. On ne peut pas frapper une femme. Va te battre avec tes amis si tu veux. Mais une femme, on la frappe pas. Oui, c'est ta moitié. Toi-même, tu ne peux pas te frapper. Comment peux-tu accepter que tu frappes ta moitié? Sinon, tu vas rentrer dans la maison de ton père. Je vais te chasser. Et il est fâché. Qu'est-ce qui va se passer? Ne jamais frapper votre femme. Maman, vous aussi ne jamais frappez pas. Il faut toujours dialoguer. Il va chercher un ciseau. Viens, viens. Le papa prend un ciseau. Et il va commencer à couper les cheveux de sa femme. Bien-aimé, regardez la violence. Papa, ça, c'est de la sorcellerie. Papa, ça, c'est de la violence. Interdit, même pas par la Bible, mais à ce siècle. My love. My love. Mon amour. Darling, chérie. Donc pour les messieurs, ça c'est la protection. Oh, viens. Sa femme est là en colère. Ses cheveux coupés. Likez, partagez, taguez vos amis. Just like this. Come on. Viens. I've got something good for you. J'ai apporté quelque chose de bien pour toi. I got some good things for you. Des bonnes choses. Tu vas aimer. You will love them. Tu vas aimer. Check it out. Vérifie toi-même. Hollandais. Wax Hollandais. Dorica. Super Soso. George. Super something. Maya Soso. Maya Sika. Kimbundi. I know good things for us. Voilà des bonnes choses. This is what women of honor put on. Ça, c'est une femme. C'est ce qu'une femme mariée doit porter. Ça, c'est bien pour toi. Non pas comme les mamies Wata portent. Non pas porter des accoutrements comme des mamies Wata. C'est ça, les super soso, les kimbundi, les... Comment dire? C'est quoi encore? Donc, la maman doit mettre des pagnes, pas comme, s'habiller comme des mamies Wata. Papa aussi a raison. Je veux te voir. Essuyer tes larmes. You hate to see me in tears, yet you pierce a knife through my soul. Couldn't possibly do that, my love. I'm not your love. Je ne suis pas ton amour. Tu me fais souffrir. This is not love. Ça, ce n'est pas l'amour. This is imprisonment. Ça, c'est l'emprisonnement. I want my freedom. Je veux ma liberté. I'm not. Je ne suis pas libre. Je suis dans une prison ici. Vous, les femmes, vous avez une mauvaise définition de la liberté. Vous pensez qu'être libre, faire des choses comme vous voulez, c'est ça la liberté. This is not the life I want. Non, ça, ce n'est pas la vie que je voulais. This is not the life I dreamt about as a child. C'est pas la vie de mes rêves quand j'étais enfant. Je ne m'imaginais pas ça. I'm a graduate. Je suis gradué. I'm a trained accountant with a master's degree. J'ai des masters, j'ai des diplômes. Je ne peux pas travailler. Why are you tormenting me? À cause de ta jalousie. Ça, ce sont mes commentaires, mes interprétations. Mais toujours par rapport à l'idée du film. Donc la femme est toujours dans la maison. Elle ne peut pas sortir. Pas de travail. Bon, je vais te poser une question. L'homme est en train de dire, mais c'est là qu'il travaille. Combien gagne-t-il?
Il dit par exemple 2000 euros. Ceux qui travaillent là gagnent 2000 euros. Bon, c'est bien. What if I pay you 250,000 naira a month to be home and be my wife? Et si moi j'ai rajouté cela, plus de 2000 euros, mais tu restes à la maison et tu restes ma femme? Non. 150% increase, and you say no. Mais la plupart des gens, there's something else you have the back of your mind. Je vois il y a quelque chose, une mauvaise idée dans ton esprit, dans ton âme. Je te suspecte. Pourquoi? Je vais te rajouter les salaires, tu restes à la maison et tu sois ma femme, que tu ne sortes pas, tu ne veux pas. Je te suspecte. Hein? Toi, je te suspecte. Tu as des mauvaises idées. Quand tu veux sortir là, c'est pour aller faire quoi? Bien-aimé, une femme qui ne fait que pleurer. Est-ce que c'est ça le vrai amour? La femme est quand même allée au marché. L'homme toujours derrière sa femme, en cachette. La femme est en train de discuter avec les vendeurs de Matungulu. « T'es Matungulu, t'es moi, nene. » L'homme est venu. Il a commencé à menacer les vendeurs. « Papa, va te battre avec Colbert. » Il a même répandu, jeté les Matungulu, les oignons. Tout ça. C'est tout parce que c'est pour ça que tu n'as pas voulu que je t'accompagne au marché. Bon, tu voulais venir au marché pour ça, toi seul. Donc, l'homme met encore, fait encore sa jalousie. Donc, pour elle, faut même pas que sa femme parle au vendeur. Elle expose. Il expose sa femme. L'amour couvre la multitude de péchés. La femme n'a rien fait, au fait. Mais l'amour n'expose pas comme ça. Ça, c'est de la jalousie mal placée. Entre. Non, je ne veux pas entrer. Si tu n'entres pas, je te frappe. Mais la femme n'est pas ton enfant. C'est ta moitié. La femme n'est pas une prisonnière, n'est pas esclave. La femme, c'est ton ami, c'est ton tout. C'est une partie de toi-même. La femme malheureuse, en train de pleurer. Voilà ce que plusieurs femmes vivent et sont en train de vivre. Maman, taguez vos amis, taguez les célibataires, taguez les mariés. Que conseillez-vous à cette femme? For how long will you continue like this? Pourquoi tu continues à être comme ça? Est-ce que quitter un tel monsieur, c'est une solution? Mais nous, la Bible nous dit que le divorce. Yourself is called false imprisonment. So my release yourself from this prison. Réalise toi-même dans cette prison. Ce que tu appelles emprisonnement. Please. Il est en train de vouloir convaincre la femme que ce n'est pas un emprisonnement. Cette maison ou ce foyer n'est pas un emprisonnement. Essayez de faire un peu de bipoids, des actes d'amour pour essayer de ramener le cœur de la femme. Mais la femme, l'amertume dans l'âme. Une femme abattue, une femme battue et abattue ne peut plus donner le meilleur d'elle-même. Même si elle était meilleure, excellente. Elle ne peut plus donner, puisque son cœur est contrit, son cœur est froissé. Oui, permettez à vos femmes de donner le meilleur d'elles-mêmes en leur faisant confiance. Tellement que le papa voulait cacher la maman, l'emprisonner. Regarde maintenant, où est-ce qu'elle va? Oui, c'est comme si elle veut faire une tentative de fuite, comme une prisonnière. Wow! Elle s'est évadée. Maman Landaye, Nana Dambang, Usain Bolt, maman suivez, elle est partie. Va-t-elle revenir ou pas? Bien-aimée, des fois quand nous faisons souffrir ceux qui nous entourent, nous faisons développer en eux une seconde nature. Une nature qui n'est pas leur nature. Une nature qui n'est pas la leur. Mais nous leur forçons à devenir menteurs, à devenir voleuses, puisque nous ne les aidons pas. Ou nous ne laissons pas un peu leur coin de liberté. Même étant mariés,
La femme doit avoir au moins son coin de liberté, son temps de liberté. Pas pour aller faire le libertinage, mais prendre un peu de l'air. Can I come in? Sure. Ah, je peux entrer? Oui, entre. La maman est entrée. Where, très vite. Anywhere. Everywhere. Amène-moi partout, n'importe où. Madame. Madame. There are tears in your eyes. No, I'm fine. Ah, tu pleures. Madame, vous pleurez. Shut up and drive! Non, ferme ta bouche. Démarre. Oh, Landanga, il viendra nous attraper là. Va vite. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas souffrir ceux qui sont à nos côtés. Ce que Dieu nous a donné comme épouse ou époux. Nous n'avons qu'une seule vie. Mettons, créons à notre entourage un climat de paix, d'amour, de confiance et de sérénité. Où est ma femme? Eh, le papa a frappé. Donc, le papa a l'habitude d'étendre ses mains. Mais papa, un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te frappera. Nous voyons papa frapper le portier. Mais le portier n'est pour rien. Ne vous en prenez pas aux innocents. Un conseil. Quand vous avez un problème avec votre partenaire, n'associez pas les autres. C'est-à-dire que ne mêlez pas les autres dans votre affaire. Traitez vous-même. Trouvez des solutions. Dans l'amour, dans l'amiable. Ne dites pas que c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Maman, posez-vous la question. Pourquoi mon mari se comporte ainsi? Pourquoi ma femme se comporte-t-elle comme ça? Essayez de dialoguer. Sortez, allez peut-être dans un restaurant ou dans un parc. Sachez, demandez pourquoi tu as changé ou pourquoi tu te comportes ainsi. Peut-être papa se comporte comme ça. Peut-être papa a des blessures intérieures qui n'ont jamais été guéries. Peut-être papa a vécu des choses dans la vie de son père et de sa mère qui l'a poussé à être comme ça. Bien-aimé, il doit y avoir une cause qui fait que papa se comporte ainsi. Voilà pourquoi le dialogue est important dans un couple et dire la vérité est important. My love, c'est l'homme qui appelle. Mais elle ne répond pas. Où nous allons? On ne peut pas s'arrêter. Dis-moi, on y va où? D'autres personnes m'attendent, des clients. Mais dis-moi, on y va où? Mais dis-moi, on y va où? On ne s'arrête pas. La femme ne répond pas. Madame, c'est quoi le problème? Moi, je suis un taximan. Que je t'amène à la station de police? Elle ne dit rien. Bien-aimée, il y a des femmes qui souffrent comme ça. Il y a aussi des hommes qui souffrent, des femmes battues. Maman Dieu ne vous abandonnera pas. Mais priez à Dieu de vous donner la solution. Mais tu es dans ma voiture, tu restes là. Mais dis-moi. Dis-moi s'il y a un problème, on va le résoudre. Même les chauffeurs fatigués. Papa, pourquoi tu pleures? Peut-être que je peux donner la solution, je peux résoudre ton problème. Dis-moi, pourquoi tu pleures? Oui, ça c'est bien. Essuie tes larmes. Oui, c'est beaucoup mieux. Essuie. Ok. Oui. Tu vois, maintenant je vois ton sourire. C'est bien maintenant, tu peux sourire. Ah. Donc le monsieur a essayé de ressortir les sourires de Chum. J'ai fait ce que j'ai à faire. Sometimes the moments in life when all we need to do is just have somebody to talk to. I've been there before. Le monsieur essaye d'expliquer que j'ai fait ce travail, c'est ce que j'ai trouvé à faire. Mais c'est, au demeurant, d'habitude, ce n'est pas vraiment ça, mon travail. Mais à cause du chômage, j'ai fait ce que j'ai à faire. Ok. La femme lui dit, amène-moi où tu veux. La femme lui dit, amène-moi où tu veux. Donc, le monsieur choisit de prendre la... Maman, mais qui a ouvert ses portes? N'est-ce pas papa lui-même?
Si maman est arrivée à ce niveau, de dire au taximan, amène-moi où tu veux, n'importe où. Est-ce que c'est la faute de papa ou c'est la maman qui manifeste sa faiblesse cachée, mais qui les sort au moment opportun? Essayez de nous dire ici. Maman, mettez des cœurs, mettez des j'aime, likez. Est-ce que c'est la légèreté de maman qui ressort? Ou bien c'est à cause de ce que la femme, le monsieur fait? Ah, l'océan? Tu m'amènes ici à l'océan, la plage? Cool place, right? C'est une place cool. When life knocked me down last year, this is where I always come to hide. Come. Viens, avec la femme d'autrui. Mais c'est pas de sa faute. Mais moi, je ne conseille pas aux mamans de faire ça. Come. Même s'il y a un problème, n'allez pas chercher les secours vers un autre homme. La Bible l'interdit. Okay. Papa, même s'il y a un problème, n'allez pas les chercher les secours auprès d'une autre femme. C'est un péché. Voilà, les conflits dans la famille ouvrent toujours des portes d'entrée. Maman, regardez, papa, regardez comment les portes sont ouvertes. And other times, I cry profusely. Sometimes the sun will hit me so hard. And other times it rains. Le monsieur, it rains, I'm still here. Ressort un peu ce côté poète, talent, à côté de cette belle femme. I just sit here. Qu'il a rencontré dans this, dans sa voiture. This was my resting place. Ça, c'est mon endroit de repos. This is where I found shelter. Quand je suis troublé, perturbé, je viens ici me reposer. Mais pourquoi c'est... Pourquoi le papa n'amenait pas sa femme dans de tels endroits reposants? Papa, tu vas souvent au resto avec les autres. Pourquoi n'amènes-tu pas ton mari ou ta femme? My name is Alex. Mon nom, c'est Alex. Mon prénom, c'est Alex. Je suis ingénieur. Je suis en train de prier que Dieu me donne un travail correspondant à mes études. Je suis ingénieur. Voilà, bien-aimé. Les gens, il n'y a pas de saut métier. Ingénieur, mais c'est converti au taximen. À cause de chômage. Tout ce que vous avez à faire, faites-le aujourd'hui. Au moment opportun, Dieu ouvrira des portes. Il n'y a pas de saut métier. C'est bête de dire, moi je ne peux pas faire ça. Non, maintenant je dois partir. J'ai dit quelque chose de mauvais. Non, tu n'as rien dit de mal, mais je dois aller. Mon nom c'est Choma. Mais je dois aller. Je suis une femme mariée. Maman, rattrapez-vous. Maman, soko bunga kinzela, zonga nanzela malamu. Wait. Oui, attends. Maman, si tu voulais t'égarer, papa, si tu voulais t'égarer, reprends-toi et reprends-toi. Reviens sur la bonne voie. Peut-être que tu es déjà tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Arrête ces œuvres et pratique les œuvres d'amour, les œuvres de la justice. Oui, souviens-toi, maman, papa, souviens-toi d'où tu es tombé. Ne persévérez pas dans le mal jusqu'au bout. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard, maman. Papa, avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas que la situation s'envenime. N'attendez pas que ça devienne trop tard. Dès que vous réalisez que cette voie m'amènera à la ruine. Maman, reculez. Il faut toujours reculer. Avant de bien sauter, réfléchir avant de poser des actes. Il y a de ces actes que nous posons dont les conséquences dureront toute la vie. Mais ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Stop. 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 J'ai dit arrête-toi. Ah, c'est à peu près à l'endroit où le chauffeur l'avait trouvé. Is your house around here? Ah, ta maison? One of est quelque part là. Is mine, but you don't need to know which one exactly. Oh. No, I don't. Good. Good. So, tell me, how much is my bill? Ah, je dois payer combien? Oh, no. Don't bother, madame. Non, ne paye pas. Oh, papa, je dois m'en mettre. Yo, salim, salam.
Comment faire le bonheur? Beaucoup d'argent. Non, 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 non. Papa, ne fais pas les charismes. Toi, tu cherches du boulot. Moussa les a, Moussa là. J'insiste. Bon. Papa, zwa kaka. Bon, on a eu à Moussa là. Oh, bonne faible, bonne faible, boy. Nothing, ma. Sorry, ma. I don't need you to be sorry. I need you to take the money. Nalingyo Zwambongo, je veux que tu prennes de l'argent. C'est ton argent. I'll take it. Je vais le prendre. Mais à une condition. You take my phone number and my tu prends mon numéro de téléphone et tu me promets de m'appeler et moi je prends de l'argent. Ok. Deal accompli. Mais c'est la femme d'autrui. Mais toi tu es taximène. Maman, faut jamais profiter. Papa, faut jamais profiter de la faiblesse d'une femme. Monsieur, faut jamais profiter de la faiblesse d'une femme. Faut jamais vouloir draguer une femme ou faire quelque chose avec une femme sous émotion quand elle a des problèmes. Quand sa conscience reviendra, maman, papa, vous serez fautif. Et une femme qui retrouve ses bons sens, qui trouve que j'ai été manipulée, devient dangereuse. Bye. Elle prend, le monsieur prend de l'argent, mais avec comme deal, tu m'appelles, on continue de ça. Voilà maman, voilà papa. Nous allons continuer ce film aux alentours de 19h pour voir la suite. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Maman, ne manquez pas. Papa, ne manquez pas. Bien-aimé, ne manquez pas. 19h aujourd'hui. Papa, maman, à 19h aujourd'hui, ne manquez pas, bien aimé, la suite de ce film à 19h juste aujourd'hui. Maman, ne manquez pas. Papa, ne manquez pas à 19h pour la suite. Alors, vous venez de comprendre, ça c'était la première partie de ce film. Là, la maman revient, la maman descend. Est-ce que va-t-elle retourner à la maison ou va-t-elle rester où elle est partie là? Comme conseil, s'il y a un problème, il faut toujours dialoguer entre couples. Peut-être la réaction de son mari, peut-être que l'homme a vécu des choses dans sa famille, dans son enfance. C'est pourquoi elle réagit ainsi. Mais c'est dans les dialogues que cela va se savoir. Peut-être que la femme aussi veut sortir. Il faut connaître comment la femme est, comment est sa nature. Mais il y a de ces choses que nous pouvons faire dans nos couples. Nous ouvrons des portes à l'ennemi. Regarde, là, à cause du manque de dialogue, la maman commence à faire des choses en cachette. La maman est partie en cachette. Mais qu'est-ce qui va se passer là-bas, là où ils sont allés? Qu'est-ce qui va se passer? L'homme a donné les numéros à la femme. Vous sentez qu'il y a des sentiments amoureux qui commencent à naître. Mais qu'est-ce qui va réellement se passer? Tout ça, c'est à cause de la jalousie de papa. Mais est-ce que c'est bien que maman se comporte-t-elle ainsi en ouvrant cette porte à un autre homme? C'est bien, elle s'est ressaisie. Elle est retournée vite à la maison, sans que rien de mal n'arrive. Mais est-ce que va-t-elle tenir longtemps? Est-ce que le papa va-t-il changer? À 19h ce soir, ne manquez pas maman, papa ne manquez pas à 19h ce soir pour la suite de ce programme, la suite de ce film bien-aimé. Likez, taguez et partagez à vos amis un film éducatif pour les fiancés, les mariés, même pour les célibataires, ce sont des leçons qu'il faut apprendre. Maman, que Dieu vous aide, taguez vos amis, likez, partagez, et je vous donne rendez-vous à 19h ce soir pour la suite de ce film. Maman, que Dieu vous bénisse, papa, que Dieu vous bénisse, je vous dis bye bye, à très bientôt, à ce soir, à 19h, bye bye, à très bientôt.